Installez-vous devant votre programme avec le Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients. Nous sommes allés à la collecte de dons de Joigny pour venir en aide à l'Ukraine. Bernadette Mounier nous a expliqué le processus afin d'aider les Ukrainiens et les Ukrainiennes à survivre malgré le froid. Eh bien, en ce moment, ce qui se passe à l'hôtel de ville, c'est que nous demandons aux citoyens de Joigny de venir apporter du matériel pour les gens ukrainiens qui, malheureusement, sont partis de leur pays afin d'être protégés en Pologne ou ailleurs. Et bientôt, peut-être chez nous. Alors, à savoir quand même que depuis la semaine dernière, il y a eu 150 à 200 kilos de marchandises qui sont venues à la mairie. Et je remercie sincèrement les citoyens de la ville de Joigny de participer à cette chose-là. Aujourd'hui, avec cette crise humanitaire, ce qu'ils ont le plus besoin, c'est surtout des médicaments. Je trouve que c'est très, très important que notre ville a pu participer aussi à ce couloir humanitaire et d'aider les gens. Pour venir en aide aux Ukrainiens, la protection civile va emmener les colis au Loiret et seront ensuite déportés en Pologne. Il y a eu une volonté du maire comme quoi la distribution devait traverser tous les pays vraiment tranquillement. Bernadette Mounier nous a expliqué les créneaux horaires pour venir. Vous avez tous les lundis, c'est de 18h à 19h30, tous les mercredis de 10h à 12h et le samedi de 10 à 12h.